Un atome est une entité électriquement neutre. Il est constitué d'un noyau chargé positivement, entouré d'un nuage électronique. Le nuage électronique est composé d'électrons chargés négativement. Les électrons se trouvent dans le nuage électronique, mais il n'est pas possible de connaître leur position. Le modèle planétaire de Rutherford a été abandonné au profit de ce modèle plus proche de la réalité. On voit bien que les électrons ont des positions complètement aléatoires et indéfinies. Le noyau est constitué de deux types de particules, les protons, chargés positivement, et les neutrons, électriquement neutres. Voici le schéma d'un proton, ici représenté en bleu, et d'un neutron, ici représenté en orange. Ces deux types de particules sont dans le noyau, on les appelle les nucléons. Voici un tableau donnant les caractéristiques des trois types de particules élémentaires. Dans le noyau, les protons et les neutrons. Dans le nuage électronique, les électrons. La masse du proton est très proche de la masse du neutron. La charge élémentaire, qui se note petit e, équivaut 1,602 × 10⁻⁹ coulomb, sert de référence pour les charges électriques portées par les protons et les électrons. Elle vaut plus e pour le proton et moins e pour l'électron. Les protons portent donc la charge électrique Qp égale plus E. Elle est positive. Q est le symbole donné à la charge électrique. Les électrons portent la charge électrique Qe égale moins E. Elle est négative. Les neutrons ne portent pas de charge électrique. Ils portent une charge électrique nulle. Qn égale 0. Un atome est électriquement neutre. Comme la valeur de la charge électrique portée par le proton est égale à l'opposé de la valeur de la charge électrique portée par l'électron, on en déduit que le noyau contient autant de protons que d'électrons. Voici ce qu'il faut retenir. Un atome est une entité électriquement neutre, constituée de un noyau, des protons et des neutrons, les protons portant une charge positive plus E, les neutrons une charge nulle, et un nuage électronique constitué d'électrons portant la charge QE égale moins E.